Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la dernière ronde de ce tournoi de la Semana Santa, un tournoi assez palpitant. Et donc là on est sur une partie avec un enjeu. Pourquoi? Parce que si je gagne cette partie, j'arrive dans les 6 premiers et j'arrive à rafler le prix des moins de 2200. En effet, j'ai réussi à passer à moins de 2200 comme on a pu voir un petit peu dans ce tournoi. Il y a beaucoup de sous-classés et c'est très difficile d'avoir un Elo élevé. Donc, en effet, en gagnant cette dernière ronde, j'allais avoir un prix de consolation. Sauf que je vais vous spoiler un petit peu l'issue de cette partie. Il y a eu match nul, mais c'est une partie ultra intense. Vous allez voir, avec beaucoup de calculs. Ça va être très intéressant pour ceux qui veulent travailler le calcul, cette partie. Vous allez voir. On va regarder ensemble. J'ai donc une partie très douloureuse. Et en général, c'est quand ça fait mal qu'on apprend énormément aussi. Donc E4, E5, cavalier F3, KC6, KC3, cavalier F6. Donc ça, c'était préparé à la maison. Encore un joueur qui malheureusement va jouer pour un petit plus, c'est-à-dire qui joue pas pour les lignes agressives. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple d'aller chercher le gain contre des joueurs qui jouent comme ça. En tout cas, c'est une réputation. C'est l'ouverture des quatre cavaliers réputée pour être assez égalisante. Vous allez voir, la partie a pris feu très très vite. Fou B5, cavalier D4. Et là déjà, j'ai senti mon adversaire un petit peu hors théorie. Alors c'est un adversaire qui n'a pas beaucoup d'expérience, puisqu'il avait à peine la quinzaine. Mais 15 ans et quand même 5 points sur 7, ce qui était quand même correct. Je crois qu'il avait perdu qu'une seule partie dans le tournoi. Et comme moi. Et donc, il était quand même. Bon, je savais que c'était pas un mauvais joueur. Et d'ailleurs, c'est le petit frère de la personne contre qui j'ai joué ronde 5. Donc, bon, il savait contre qui jouer. Moi aussi, je savais contre qui jouer. Mais c'est vrai que KD4, en fait, c'est un coup qu'on lui a peu joué. Et vu que je joue peu E4-E5, évidemment, il n'avait jamais vu que je jouais ce coup. Donc, il n'a pas pu se préparer. Et là, dans cette position, j'avais vu que sur Internet, il avait joué deux fois fou C4 et je m'étais plutôt préparé sur ce coup fou C4 qui est quand même le coup le plus joué dans cette position et le plus naturel. Et donc, il a pris 20 minutes pour jouer le coup fou A4. Bon, fou A4, je connaissais un petit peu moins, mais je connaissais quand même le meilleur coup. Enfin, en tout cas, un des meilleurs coups, C6. Il y a eu petit roque. Et là encore une fois, je connaissais le meilleur coup dans cette position qui était A5. En tout cas, on va dire le coup théorique qui met des problèmes. Alors vous allez me dire, c'est bien de connaître la théorie, mais ça sert à quoi, Samuel? Donc on va regarder un petit peu ensemble à quoi ça sert. Alors C6, c'est vrai qu'on donne un pion pour regarder ensemble. Alors, bon, cavalier D4, je ne vais pas rentrer dans la théorie. Il peut prendre ici. On va regarder rapidement. Prise, prise. Donc là, E5, prise, prise. Dame prend, c'est à peu près égal. Bon, rien de foufou, ce type de position. Bon, j'aurais aimé jouer ça parce que c'est égal, mais avec vraiment zéro problème, et je vais pouvoir essayer d'aller grignoter un avantage petit à petit contre quelqu'un qui a moins d'expérience que moi. K prend E5, c'est une position un peu plus folle. Il va se passer Dame E7, F4, et là il y a cavalier prend, cavalier prend. Il y a des idées avec D6, je sais plus si je dis pas de bêtises, non, je crois que c'est ça. Et il y a une théorie assez folle là-dessus. Voilà, donc là il me semble qu'on peut jouer Dame G6 avec l'idée ça, ça, et ça va très loin avec la menace KE3 ici derrière. Donc, bon, il faudrait que je révise cette variante, mais ok, K prend E5, intéressant, mais jusque-là la théorie montre que ça va pour les noirs. Donc il reste fou C4 et fou A4. Bon, après les coups comme petit roque ou D3, beaucoup moins fort, puisqu'on va avoir tout simplement cavalier prend B5 et on gagne la paire de fous déjà. Et on enlève un cavalier du centre. Donc bon, ça se regarde déjà beaucoup moins. Donc lui, il a joué le coup fou A4. On va pas regarder fou C4 aujourd'hui. Et là, j'ai joué le coup C6. Bon. C6, en fait, l'idée, donc évidemment, on redonne un pion cette fois-ci ici, donc c'est pas la même, là on va peut-être pas jouer Dame E7, mais l'idée en fait elle est assez simple maintenant, ça va être de jouer D5, prise et fou D6. En tout cas, ça c'est l'idée de l'ouverture. Je vais pas trop épiloguer dessus, puisqu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, essayez de regarder par vous-même. A5, l'idée est simple, pareil, ça va être de jouer B5, fou A3, fou B3 et A4 et enfermer le fou. Donc là, dans cette position, il y a eu K prend D4, prend D4, E5. Et là, je vous pose la question. Essayez de mettre pause juste après ce que je vais vous dire.
Quelle est la meilleure variante pour les noirs? Prenez votre temps parce que c'est pas si simple. Qu'est-ce que vous auriez joué, vous, dans cette position? Bon. Maintenant que vous avez fait l'exercice, moi, je vais vous dire comment j'ai raisonné. Moi, en fait, j'ai mal raisonné. Pourquoi j'ai mal raisonné? Je pense que je me suis fait avoir par l'émotion de cette dernière partie en pensant que, voilà, j'avais déjà accompli énormément. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en jouant cavalier G8, le cavalier était attaqué, je pouvais jouer B5 A4. Et en fait, je me suis dévié de mon instinct de base, qui était évidemment de prendre. En général, quand il prend et ensuite il pousse 5, on prend, en tout cas, c'est le plus naturel. Et donc, je n'ai plus calculé ce coup. Alors, je ne dis pas que cavalier G8, c'est un mauvais coup et qu'il ne faut pas le calculer. C'est sûr qu'il faut le calculer aussi. Mais c'est sûr qu'il faut aussi calculer D prend C3 dans ce cas-là. Et en fait, évidemment, dans cette position, je vous montre la meilleure variante. Quand même, D prend C3 était meilleur. Et ensuite, on va regarder cavalier G8, c'est ce que j'ai joué. E prend F6. Et là, il faut aller trouver le très fort coup. Alors, dame prend F6, ça suffit pour égaliser. Mais là, il y a un très fort coup qui est le coup D5. En plus, j'avais vu des idées comme ça avant. Enfin, en tout cas, en calculant un petit peu. Et je ne l'ai pas du tout concrétisé. Donc, j'aurais largement pu le trouver. Alors, on laisse le pion ici. Et en fait, on va enfermer ce fou-là en menaçant B5 A4 cette fois-ci. Et l'idée de D5, c'est dès qu'il y a du contre-jeu avec tour E1, on va pouvoir jouer fou E6. Ok? Donc ça gagnait une pièce et ça prenait un gros avantage. Alors il y a quelques compensations pour la pièce, on ne gagne pas une grosse pièce tout de suite, mais c'est gros avantage tout de suite, hein. J'aurais pu gagner très vite en faisant D prend C3. Donc j'ai voulu gagner très vite d'une autre façon, j'ai joué cavalier G8. Il y a eu cavalier E4, donc ça il avait prévu évidemment quand il avait joué ça, il avait beaucoup calculé encore une fois avant de jouer. Cavalier prend D4, donc là il se retrouve à peu près à 1h. Moi je joue cavalier G8, donc j'ai toujours 1h30. Là il joue cavalier E4, et là bon bah je vais jusqu'au bout de mon idée. Hein. J'aurais pu évidemment jouer D5, prendre D5, fou prendre D6, et c'était à peu près égal. Tour 1, cavalier E7, D3, petit roque, c'est à peu près égal, mais moi je vais au bout de mon idée. B5, fou B3, A4, fou prend F7, roi prend F7, je vais au bout de mon idée. Et là il me joue dame F3, et là je commence à réfléchir. Et là, c'est un peu tard. Bon, évidemment, j'ai mal calculé. Moi, j'avais quand même calculé ce fou prend F7, hein, mais dame F3, je trouvais pas ça trop dangereux. Je regardais surtout dame H5, en fait. J'avais vu G6 et que j'avais une case ici. Et sur dame F3, je me suis dit, je vais tout simplement jouer roi E8 et je vais vite développer mes pièces. Je vais jouer fou là. En gros, j'avais calculé K et D6, fou prend, pion prend, cavalier F6. Je vais mettre mon roi en F7, une tour en E8. Ok, je suis un peu désorganisé, mais je vais faire un roque artificiel. Et n'oublions pas que j'ai une pièce de plus quand même, hein. Donc j'étais assez content. Mais après roi E8, je me suis quand même freiné un petit peu dans cette position et j'ai bien fait quand même. J'ai eu un bon. J'ai été mauvais au début, mais j'ai pas été mauvais jusqu'au bout. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe sur roi E8 s'il joue tour E1? Et j'ai pas trouvé de coup. Honnêtement, dans cette position, en fait, après j'ai mis avec l'ordi et c'est complètement gagnant pour les blancs, évidemment. Si vous regardez, rien n'empêche la variante avec K D6, fou prend, pion prend, et ensuite je suis perdant. Donc la seule variante c'est peut-être dame E7, cavalier D6, roi là, mais là il va regagner du matériel et autant dire que avec du matériel en plus et un roi qui se balade, c'est perdu pour moi tout de suite. Donc j'ai préféré jouer le coup roi E6, puisque sur roi E7 c'est perdu tout de suite aussi. Après cavalier D6, on voit bien qu'il n'y a aucune de mes pièces qui joue, c'est juste un cauchemar. Et la dame va venir en F7 mater tout simplement. Donc il y a peut-être ce coup cavalier ici, mais il y avait un coup qui m'embêtait là-dessus. Je crois que c'était tout simplement D3. Et après, rien n'empêche la menace fou G5 ou fou prend H6 et dame F7. Donc j'ai joué roi E6 en calculant. Et là c'est très important parce qu'en fait j'ai une position perdante, mais c'est pas si simple pour les blancs. Parce qu'il faut être très très bon en calcul pour gagner cette partie. Alors, vous pouvez faire l'exercice de mettre pause à chaque moment pour essayer de trouver comment les blancs gagnaient dans cette position, hein. Mais on va surtout se concentrer côté noir. Donc là, il y a eu D3. Donc là, bon, seul coup de défense, je pense, c'est cavalier H6, hein. Donc là, puisque la menace elle est assez claire, ça a été cavalier G5, roi E7 et dame F7 mat. Donc là, le cavalier défend la case F7. Mais maintenant, s'il y a fou prend H6, il y a pion prend et cavalier G5 n'est plus possible. Donc ça tient sur un fil. Et ça, c'était calculé. Je savais que sur D3, j'avais joué KHI, je l'ai joué assez vite. Il y a eu cavalier G5. Donc là, j'avais pas trop besoin de réfléchir. Mon seul coup, c'est roi E7. Cavalier prend H7 dans cette position. Et là, dans cette position, j'ai décidé de jouer dame E8 assez vite aussi. C'est assez logique, c'est pour empêcher fou G5. Alors, cavalier prend H7, vous allez me dire, c'est bizarre comme coup. Moi aussi, j'ai trouvé ça très bizarre.
Pourquoi? Parce que ça move la colonne H dans cette position. Et en réalité, s'il mange en F8, je suis assez content parce que ce fou ne sort pas du tout. Si j'arrive à échanger des pièces, je suis assez content. En effet, il menace fou G5 et il a gagné un pion. Mais bon, j'ai une pièce de plus, n'oublions pas, en plus c'est la paire de fous. Donc au final, si j'arrive à mettre mon roi à l'abri, je pense que je serai mieux. Dame E8. Fou prend H6, seul coup pour garder l'avantage. Tour prend H7, seul coup aussi pour s'en sortir. Fou G5, roi E6, seul coup aussi, hein, sinon c'est mat. G4. Alors là, les blancs ne devaient pas jouer G4. Vous pouvez, je vais vous mettre côté blanc rapidement. Si vous voulez faire pause, essayer de trouver comment jouer, ça peut être une idée. Je ne vais pas donner la solution aujourd'hui, mais n'hésitez pas à essayer de trouver par vous-même. Donc là, il y a eu G4 qui n'est pas un mauvais coup. L'idée, elle est simple, hein, c'est de jouer Dame F5, mat. Donc si par exemple, je réfléchis pas trop, je pousse le pion D en essayant de me libérer, Dame F5. Et c'est pas que mat, il y a aussi la tour qui est en l'air. Donc là, je suis arrivé dans une position où je vais vous demander, vous pouvez faire pause aussi maintenant après G4, essayer de trouver le meilleur coup des noirs. Et vous dire enfin, qu'est-ce que vous auriez joué dans cette position. Alors, en fait, le meilleur coup est Dame G6. Je l'avais calculé aussi. Et je vous montre rapidement la variante. C'est Dame prend F8, Dame là, Roi E7, Dame prend ici, Dame prend, Roi là, échec, échec, échec perpétuel. Et donc ça fait match nul. Donc là, l'ordinateur considère qu'en fait, la meilleure façon de jouer, c'est de faire match nul. Mais bon, moi, j'ai réussi quand même. Je trouve que j'ai quand même réussi à m'en sortir un peu mieux en échangeant quand même une pièce mineure. Et je me dis, c'est la dernière partie. Si je fais match nul, je gagne pas de prix. Il faut absolument que je gagne. Et donc j'ai décidé de jouer un tout autre coup qui est un petit peu moins fort, mais aussi très très bon. C'est le coup G6. Et en fait, j'avais senti qu'il allait jouer Dame F6 dans cette position. En fait, bon, les blancs doivent jouer tour E1 pour essayer de lutter pour un avantage, mais il est mineur. Honnêtement, là déjà, c'est plus un gros avantage. C'est très difficile de prendre un gros avantage pour les blancs. Enfin, c'est pas si simple. Après, voilà, l'idée, en fait, des blancs, ça va être surtout d'essayer de mettre une dame en E4 et de jouer F4, F5. Mais dès qu'il y a dame E4, le problème, c'est que le roi vient en F7 et il se cache ici, en fait. Donc tant que le roi est en E6, ça va pour les blancs. Mais dès que le roi arrive à se cacher, ça va pas. Et d'ailleurs, la preuve, dès qu'il y a eu dame F6, les noirs prennent l'avantage. Roi D5. Et là, le roi, en fait, c'est pas qu'il va aller manger tous les pions adverses et qu'il va faire échec et mat. Au contraire, en fait, il part là-bas pour mieux revenir se cacher, en fait. Et là, il a un vrai trajet pour aller se cacher. Plus personne ne peut l'empêcher d'accéder à la case C5, puis la case B6, puis la case B7 ou C7. Donc en B6, il sera déjà beaucoup plus en sécurité qu'en E6. Donc il y a eu ces 4 échecs. B prend C4, ça s'est bien joué. Tour FC1. Et là, dans cette position, encore une fois, je vais vous demander d'essayer de trouver le meilleur coup des noirs. Ok. Donc dans cette position, donc je ne sais pas si vous avez mis pause ou pas. En tout cas, je vais donner la solution. Donc, dans cette position, c'est le pire regret de cette partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Dans cette position, il y a un coup qui est très simple. Et là, c'est plutôt une réflexion plutôt que du calcul. En fait, malheureusement, ce que j'ai fait une erreur un petit peu de débutant dans cette partie. J'avais une première ligne que je trouvais bien. Et en fait, j'allais pas regarder les autres lignes. Il faut toujours essayer de regarder un maximum de lignes. Et ça, c'est une erreur de débutant souvent. Pas forcément de débutant, mais même de jeunesse. En fait, souvent, quand on est très jeune, on va calculer une variante et on est impatient de la jouer. On veut jouer ça, on pense que c'est le meilleur coup et on va pas regarder les autres. Et là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à être mature dans cette position. Peut-être la fatigue, peut-être l'expérience. J'ai besoin de jouer plus de tournois. Mais là, évidemment, le coup, c'est Dame F7. Alors pourquoi? En fait, dans cette position, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Dans cette position, si j'échange les dames, je suis tout de suite gagnant. Ça, tout le monde devrait le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai une pièce de plus. Et donc, mon roi qui était en insécurité va devenir en sécurité. On ne pourra plus le mater, normalement. Bon, avec deux tours, ça suffit pour mater un roi, mais pas avec autant de pions autour, puisque même avec une dame, il n'y arrive pas. Donc, c'est sûr que si on échange les dames, il y aura beaucoup plus de difficultés à me poser des problèmes, sachant qu'il n'a plus de pièces mineures qui puissent contrôler les cases blanches. Donc, mon roi en D5 qui est quand même bien placé. Donc là, clairement, Dame F7 forçait pratiquement l'échange des dames, en fait. Heureusement, il avait ce coup-là, mais bon, c'est très facile maintenant à conclure. Après un fou E7, fou prend, dame prend. Bon, voilà, c'est pas très compliqué à gagner maintenant cette position. Donc, Dame F7, oui. Si maintenant, dame prend, tour prend,
c'est tout de suite gagnant. Donc dame F7, dommage. Alors fou E7, j'ai joué, qui n'est pas un mauvais coup, hein. Je suis toujours gagnant, mais forcément je lui laisse un peu de contre-jeu. Dame F3, roi C5, tout ça c'était calculé. Tour prend C4, roi B6, tout ça c'était calculé. Fou F4 pour essayer d'empêcher d'échanger les pièces, c'est très bien joué de sa part. Il y a eu fou B7 dans cette position, ça encore c'est un très bon coup avec l'idée de jouer C5 et de faire revivre enfin ce fou qui ne jouait pas. Donc si j'ai et en plus il a une très très belle diagonale maintenant que G4 a été joué. Dame D1, et là j'ai essayé de trouver encore une fois dans cette position le meilleur coup des noirs puisque j'ai été imprécis encore une fois dans cette position. Allez, encore une imprécision, là cette fois-ci je pense que c'est dû à la fatigue. Dans cette position, je joue le coup C5. Et en fait, ça a l'air tout à fait normal, hein. Même des très forts joueurs m'ont dit non, mais là C5. Mais en fait, il y a un petit contre-jeu que j'aurais dû évidemment écarter dans cette position. Donc l'idée principale, c'est d'aller centraliser la dame en D5, jouer C5 et essayer d'aller mater, c'est assez logique. Donc la dame en F7, elle passe très bien puisqu'elle attaque F4, elle gagne un temps en jouant F7. Et en plus, on peut avoir accès à la case D5 ou F3 pour aller se faufiler sur la grande diagonale et forcer l'échange des dames ou sinon un mat. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai préféré jouer C5 d'abord en calculant une seule variante. Je me suis dit, viens en D1 pour venir manger en A4, hein. Ça avait l'air plutôt logique. Et encore une fois, j'ai calculé qu'une seule variante. Dame prend A4, dame F7, j'avais calculé, et c'était magnifique en plus, dame F7, puisque ça contrôlait autant la case B3, donc il n'y a pas d'échec de la dame, puisque si les dames s'échangent, là j'avais calculé que c'était complètement gagnant, hein, avec la pièce de plus. Le fou est attaqué et au prochain coup je vais jouer dame D5 et il y a le mat. Donc là c'était royal, je me suis dit ah, c'est complètement gagnant. C'était sans compter sur le coup B4 qu'il a joué tempo mon adversaire, donc bravo à lui quand même qui trouve des ressources. Et là c'est plus si simple. Parce que si on prend ici, maintenant ici, il y a dame prend et maintenant il y a du contre-jeu puisqu'à chaque fois que le roi revient en C7 il y a E6 qui va tomber. Et à chaque fois que je viens sur la colonne A, à chaque fois il y a mat de l'escalier. Donc attention, donc heureusement j'ai le coup C prend B4 qui j'ai toujours l'avantage. Tour B1, mais ça commence à être un peu plus difficile. Fou C6, c'est encore un très bon coup dans cette position. L'idée c'est de pouvoir se refaufiler en C7 sans que la tour contrôle la colonne C. Et un coup comme E6 sera pas si grave, je pourrais toujours jouer le coup fou D6. Donc dame D2, dame F8, ça c'est encore très bien joué de ma part. Je défends B4 et j'attaque F4. Donc l'idée ça va être de jouer G5 et dame F3. Donc jusque-là, là je commence à bien m'en sortir. Tour prend D4, G5, encore meilleur coup du côté des noirs. Il y a eu fou G3. Et là je joue dame F3, meilleur coup. Alors fou G3, à noter que c'est un très très bon coup des blancs. C'est le meilleur coup dans cette position, fou G3. Et pourquoi? Parce qu'en fait, fou G3, ça permet de défendre H2. Et donc il n'y aura pas tous les thèmes avec tour prend H2, tour H8 qui aurait pu avoir dans les autres variantes en fait. Donc en fait, c'est le seul coup vraiment qui a une chance de défendre fou G3. Et c'est très intéressant. Et en plus, ça garde les attaques avec E6 en fait. Donc là, j'ai été surpris par rapport à son niveau qu'il le trouve. Alors il a mis du temps avant de jouer fou G3. Et en fait, ça m'a laissé le temps cette fois-ci de bien calculer. Je me suis dit cette fois-ci, je vais bien calculer, je vais tout calculer. Je vais calculer fou E3, je vais calculer tour prend B4, je vais calculer fou G3. J'ai un peu tout calculé et sur fou G3, j'avais calculé donc fou G3, dame F3. Donc là, le seul coup pour pas être mat, évidemment, c'est de sacrifier la tour. J'avais calculé tour prend ou tour prend. Sur tour prend, D, du coup, je me suis dit, je vais venir en C7. Je vais pas prendre la tour. En fait, je me suis dit c'est très dangereux de prendre la tour puisque je vais donner les cases noires. J'avais dit roi C7, D6, fou D6, fou prend D6, roi prend D6, tour D4, j'avais vu échec, roi C7 et je ne voyais plus d'échec de sa part et le mat qui tombait. Donc ça c'était la variante que j'avais calculée et l'erreur que j'ai faite en fait, c'est encore une fois de pas calculer les autres variantes. Puisque j'en ai calculé une qui est satisfaisante, mais au moment où le moment arrive, même si là je commençais à avoir un peu moins de temps, enfin je veux dire j'avais 10 minutes à peu près à la pendule, contre 3 ou 4 en face, il fallait quand même recalculer en fait. Mais même de toute façon le coup classique en fait, fou prend B4, il faut quand même le calculer pour voir, parce que après fou prend B4 j'ai quand même une tour de plus, donc ça se calcule. Alors en fait c'était le meilleur coup, fou prend B4, il y a dame prend B4, roi ici. Dans cette position E6, donc là attention à pas lancer 8 à cause de dame B8 échec, tour prend B8, mat, donc ça c'est joli. Il faut jouer roi D8
Et après Dame B6, en fait, c'est pas si simple, mais en fait, petit à petit, on va s'écarter des échecs. Donc on peut jouer par exemple Roi là, ça peut être une idée. On peut aussi jouer Roi là, je pense, dans cette position. Enfin, fallait être encore assez précis parce qu'il y a des échecs qui arrivent, hein, mais plus tellement en fait, au bout d'un moment. Donc tour prend, on va dire, tour échec. Roi ici, et là déjà je ne vois plus d'échec. Et donc à chaque fois, faut pas oublier que c'est mat et que j'ai une tour de plus quand même. Hein. Donc voilà. Alors je sais plus si c'est Roi E8 ou Roi E7. Si vous voulez terminer de calculer pour être sûr, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà. Mais évidemment, dans ce type de position, alors après il y a la fatigue, tout ça, il faut être lucide. Roi C7, et là bravo à lui parce qu'il a trouvé la seule défense. E6, fou D6. Alors j'aurais pu essayer de jouer D6, mais c'est pas naturel. Hein. J'avais calculé évidemment fou D6. Fou prend, Roi prend et tour E4. Et là, il n'y a plus rien à faire, c'est complètement égal maintenant dans cette position. J'ai une pièce de plus, mais en fait, mon roi est quand même à l'air, donc il y a des menaces de dame B4. Et donc j'ai évidemment pris, hein, puisqu'en plus j'ai plus trop de temps, c'est assez normal d'aller récupérer la tour prise. Et en fait, là où il est heureux, c'est qu'après ça, il va pouvoir manger la tour. Et la dame est super bien placée parce qu'elle continue de défendre E4. Donc je ne peux même pas essayer d'aller grignoter cette tour-là avec un échec à un moment E4. Ça ne marche absolument pas. Donc complètement égal. Donc la partie s'est terminée après Roi C7. Seule façon d'essayer de garder la tour. Dame C1, Roi D8, Dame prend G5, Tour E7, Dame G8, Tour E8, Dame G5. Échec perpétuel avec une impossibilité de m'extirper de cet échec perpétuel. Puisque sur Roi C7, il y a Dame C5. Je suis obligé de revenir en D8. Enfin, il y a plein de façons de faire match nul en fait pour les blancs dans cette position. Donc vraiment dégoûté évidemment puisque bon hein, on est passé un petit peu de toutes les émotions, hein, une ouverture qui se passe très bien puis catastrophique avec un roi qui se balade puis un retournement de situation, une position complètement gagnante et puis à la fin un retournement de situation finale avec une bonne défense de mon adversaire. Alors vous voyez ça, bon cette défense là elle est digne d'un très fort joueur tactique quand même et c'est vrai que bon hein, l'adversaire était forcément sous-classé puisqu'il avait que 1900. À 1900, on trouve pas autant de coups de défense hein, comme les coups B4, les coups tour E4, c'est digne d'un joueur à plus de 2000. Donc encore un joueur sous-classé. Bon, le tournoi se termine comme ça, un petit peu déçu pour ma part évidemment, puisque cela me fait perdre des points avec ce match nul final, alors que si je gagnais, j'en perdais pas. Et je perds aussi une petite somme d'argent qui était la récompense en étant sixième du tournoi. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de mes erreurs, que ce résumé de tournoi vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir à mettre un petit like en fin de vidéo, vous abonner si ce n'est déjà pas fait, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À bientôt.